Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend Star et la dernière fois. C'est-à-dire, jeu de mémoire qu'on allait attaquer ces païens. Et oui, c'est ça. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, donc je m'en excuse. Hein. Je m'excuse aussi de des deux petites semaines où j'ai pas mis de vidéo, mais bon, un peu de repos de temps en temps, ça fait pas de mal. Et maintenant il est temps de se replonger, donc en même temps qu'on s'occupe d'en haut, on va faire quelques petites guerres, on va faire, on va revendiquer quoi. Et je suis roi d'Italie, je vous rappelle, pour ceux qui l'ont pas encore vu, allez voir les anciennes vidéos. Donc on va déclarer pour Ancône. Je crois qu'avec je suis... Ah non, je suis plus en paix, donc je referai la guerre après. Hop, j'ai une guerre à faire contre eux. Oui, j'ai une bonne mémoire, je vous rassure. Aucune idée. Bon, 8000 hommes je pense devrait suffire. Allez, on va enlever encore ça. Voilà, ça fera 9000 hommes et des poussières. Quasiment 10000, voilà. Allez hop. Te dépêche. Alors, nous avons plein de choses, plein de revendications que nous pouvons appuyer. Des problèmes de succession, des emprisonnements. Bon, ça, on s'en fiche. La guerre est gagnée. D'accord. Ah, Besançon. Oh, j'ai déjà développé tout ça, et ben. Je suis même plus au courant de ce que je développe pour vous dire. Une mémoire. C'est ce duo, donc j'aime. J'ai pas besoin de généraux de toute façon là-haut, faut être honnête. Voilà. Ah vraiment, je vais pas vous mentir, mais ça fait du bien de revenir sur le jeu. Ça fait un moment que j'ai pas joué et... Revenir dessus, ça change, faut être honnête, c'est... ça me manquait. D'ailleurs, comment se passe la guerre là? Je pense que Saint-Empire est en train de gagner. Ouais, en faveur du Kaiser, c'est ce que je craignais. Donc si possible, tenez encore un peu. J'ai pas envie que la paix soit négociée, que je puisse au moins récupérer ces petits morceaux de terre, vous voyez. Oh, l'armée arrive là-haut. Donc j'essaie de faire une guerre express là. 95%. Eh, sacrément express, ce gars. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Non! Bon, bah, pas de bug. Le jeu a décidé de m'avoir, ben voilà, ça arrive. Méchant jeu. Voilà, c'est les aléas. Voilà. Bon, alors, j'ai remarqué qu'ici, il ne manquait plus qu'une escouade, voilà. Donc j'aurai 20000 hommes. Et je vais me refaire une petite escorte comme ça, de piquer. Voilà, ça va
péter un bras comme d'hab. J'aimerais séparer. Voilà, et ça, celle-là. Bon bah tant pis hein. Bon apparemment la guerre sainte a l'air de bien se passer, donc d'un côté c'est pas plus mal, on gagne quelque chose. Bon alors, il y avait une guerre que je devais faire ici, c'était Naples, à moins que j'ai d'autres trucs. Bon bah la Corse on peut récupérer. Ouf. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. J'ai pas fait gaffe au budget, oui. Pas faire un connerie que je viens faire quand même. Bon, je gagne quand même 60, donc ça va très vite être récupéré, mais bon. Et les boulettes, ça arrive. Bon, tant pis. Oh, on va récupérer Naples. Ouais, vous ne devez pas être ruiné, je me demande bien pourquoi. Voilà, j'arrête de faire les escortes. Voilà, bon. Bon, pas grave, j'ai dû en contracter un emprunt. Ouais, je gagne quand même toujours 40. Ça c'est bien. La modération, c'est un bon trait de caractère. Travail. Ah d'ailleurs je vous ai pas montré mais où on était à religion, donc à part quelques endroits il y a un peu de d'hérésie, globalement c'est chrétien. Bon bien sûr les orthodoxes ici ça commence à se transformer au catholicisme, ici c'est toujours un peu étranger, on va dire ça comme ça. Donc, officiellement, ça devrait nous appartenir. D'accord, il fait une guerre avec Venise. D'accord. Je sais pas pourquoi une guerre avec Venise, mais il y a une guerre avec Venise. Waouh! Bon, je viens de voir qu'en fait mon armée me coûte un bras à reformer. On va diminuer un peu peut-être la vitesse de formation parce que... Vous pouvez abandonner. Les dépenses, il y en a, ils vont faire mal en fin du mois quand ils vont tomber. Ah ouais, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Voilà, bon. On va essayer de limiter à casse économique quand même. Un emprunt, ça fait quand même mal, hein. Faut pas mentir. Donc on va limiter à casse autant que possible. Bon, ça sera pas facile, y a pas à dire. Mais nous allons faire de notre mieux. Ici, c'est compté de...
Linov. Oh, oh, oh. Ouais, moi je te donne. Je vais faire un super compte ici parce que j'ai pas envie de m'embêter. Voilà. Alors. Bon, ceci, on va le ramener. Ah bah voilà, la pogone. Le roi de Cassie, je pourrais bientôt lui refaire la guerre. Oh bah c'est bien. Tout se passe pour le mieux. Donc je vais vous mentir, le jeu commence un peu à stagner, hein. C'est normal. Ça ressemble un peu, pas vraiment à stagner dans le sens où il n'y a plus rien qui se passe, non, c'est plutôt que ça se ressemble maintenant. C'est la monotomie du jeu, on peut dire, qui existe. Moi, je trouve pas que c'est gênant, que j'aime bien. Je sais que pour regarder, parfois, c'est monotone, donc je comprendrai amplement pourquoi vous pensez ça, hein. Je sais même plus où en sont les lois. Ah oui, ouais. Les bugs que j'avais eu, je m'en rappelle. Attends. Sac. Attends, j'ai vu un royaume où il y a. Attends. C'est lequel? Ouais, c'est Rome de Croatie. Bon bah ici rébellion. D'accord. Allez hop, allez, les troupes. Allez, hop, on mobilise même les troupes là. Et Toulouse me fait encore la gueule. Non, je vais pas vous mentir, c'est souvent les mêmes factions qui vont vous faire la gueule dans le jeu. Les mêmes ducs vont souvent se rebeller, Certes, c'est sympa parce qu'on sait tout de suite où ça, mais moi je trouve force monotone de toujours battre les mêmes personnes. Bon bah ici, sauf... C'est qu'un siège, y a pas mort d'homme. Une épidémie de typhus s'est répandue, c'est génial. On va envoyer la cavalerie ici. Et regardez, mes nouvelles terres, il y a déjà des rébellions dedans. Non mais ça c'est... Franchement c'est abusé ça, c'est... J'ai conquéri là il n'y a pas longtemps. Oh mais ça... Ah, je préfère. Faut être gentil avec les gens. Comme je dis souvent, ne faites pas autrui ce que vous ne voulez pas qu'on fasse vous-même. À vous-même. Donc... Oh, oh, oh. Hop, qu'en entraînement. Hop. On se trouve tellement vite. Un enfant n'a pas de tuteur, plutôt une enfant. Bon bah. Oui, un bon duc, le duc de Lombardie. Voilà. Oh papa papa papa. L'armée là n'a pas le temps de se barrer.
plutôt mettre ceux ici, celui-là. Comme ça, on lève la flotte. Ah oui, là c'est un jonglement des troupes. J'ai pas d'argent. Donc pas sur ce coup-là. Ouais, ça m'aura arrangé en fait d'avoir cette revendication, mais bon, c'est... On va éviter de s'endetter trop parce que là déjà une dette... Et ben, c'est une boucherie. On va éviter de trop s'endetter étant donné qu'on a déjà quelques petits problèmes économiques. Hein. On a déjà un emprunt, il faut... qui nous prend déjà 25% de notre budget, donc on va déjà devoir s'en occuper de cet emprunt. Ce qui est quand même pas rien. Ok, deux troupes là se sont croisées, mais c'est pas... Ah mais génial. Très bien. Comme ça maintenant je peux te déclarer la guerre à toi. Ne rigolez pas, mais j'en suis largement capable de faire ces... de faire cette déclaration de guerre. Hop, hop. Voilà. Armée là-bas ici. Et le chien d'avant. Bon, très bien. Très bien, très bien. Bon ben. Une petite guerre plutôt facile pour dire ce qui est. Bon, économiquement ça se redresse. Donc l'économie du pays se remet bien. Ouais, est-ce que ça sera durable? Je ne sais pas. Je pense que si quand même. Mais bon, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant que... que ce soit véridique, qu'une fois qu'on n'aura plus d'emprunt, je l'avouerai, que nous serons désendettés. Mais bon. D'ici là, il y a encore du chemin. La Croatie. Je croyais. Bon. Alors, lui va devrait techniquement bientôt mourir. Ouais, 52 ans. Donc, au Moyen-Âge, arriver à 52 ans, c'était déjà énorme. Hein, y a pas à dire. Donc, il en a vraiment avancé cette personne. Donc, on va. On va faire le nécessaire pour récupérer. Hein. En plus de mémoire. Ouais, en plus Venise a été complètement.
Renforce ses armées. Et voilà. Non mais disons que vous pouvez profiter des guerres ennemies. Bah en plus j'ai remarqué que Venise était complètement ferrée hors capitale quasiment. Et c'est les troupes ont été ils ont été conquéris par le Saint-Empire. Et je profite de cela pour les attaquer derrière. Comme ça leurs troupes sont pas encore reformées à 100%. Moi je profite de leur faiblesse pour les attaquer derrière et donc appuyer mes revendications plus facilement. Donc quand vous déclarez une guerre, là je me dépêche un peu, j'ai aussi tellement d'hommes que je m'en fiche complètement. Regardez un peu où c'est déjà affaibli des ennemis et commencez par envoyer des troupes par là. Comme ça c'est là où vous ferez au début le plus de dégâts. Ouais on va tailler en pièces cette armée. Et ma patient courageux. Il sera courageux. Très bien. Avec le roi de Norvège, oui je m'en rappelle. Et comme je vous ai déjà expliqué, la cavalerie lourde. La cavalerie en général est géniale sur les plaines, mais évitez les combats de cavalerie en siège puisque c'est pas l'endroit où ils excellent hein. Mais bon quand c'est quand vous avez des tonnes de troupes hein, franchement ne doutez pas à ça après. Voilà alors vous ramenez les troupes ici. Voilà, Besançon me fournit en tout, peut me contribuer à 1456 hommes. Ah, c'est 1300, 1006. Vous voyez, vous avez beaucoup d'hommes, moi je préfère, je vais pas vous mentir, les villes au fort. Parce que les villes vous donnent beaucoup d'économies et plus tard vous donneront aussi beaucoup de... Je vais dire de troupes régulières mais pas vraiment. Vous donneront beaucoup de piquets. Moi que je trouve c'est une unité excellente. On va regarder ce que contribue la ville. Piquets archers surtout dans les villes. Bon c'est sûr qu'ici vous avez des troupes de choc. Donc mais à long terme moi je trouve que... Voilà Vesoul par exemple donne beaucoup de piquets. Et c'est une unité que j'adore personnellement dans ce jeu. Bon, après, c'est pas la meilleure unité du jeu, c'est pas aussi la pire. J'ai simplement une préférence pour cette unité-là, voilà, c'est un avis personnel. Ici, on va capturer le royaume de Sicile. Et je vais essayer de faire attention aussi au temps, hein, parce que je m'excuse encore de la vidéo de 40 et quelques minutes que vous avez dû regarder. Je vais pas vous mentir, j'ai même hésité à vous la mettre en ligne parce que des vidéos si longues, waouh. Elle est intéressante, il n'y a pas à dire, mais ça fait long quand même. Bon, il n'y a pas pu toutes les indications. La Perme s'est déjà fait attaquer, donc ça va être encore plus vite à conquête. Bon ben, j'aurais peut-être dû me faire un mariage avec l'Écosse, hein. Parce
que c'est une des premières parties en fait où j'ai l'Écosse qui est aussi puissante. D'habitude j'ai toujours l'Angleterre qui grignote petit à petit l'Écosse, mais là c'est l'inverse, c'est l'Écosse qui grignote l'Angleterre. On veut dire c'est pas plus mal, ça change au moins. La preuve que les parties sont toujours uniques. J'ai éliminé 24% de leurs troupes, il devait pas en rester beaucoup. Défaite. Défaite. Où ça, défaite? Où ça, défaite? Ah, j'ai pas compris. Ah, j'avais oublié Malte. Tiens, j'avais oublié qu'il y avait Malte. Bon bah c'est un endroit aussi à capturer hein. Alors on va prendre ceci. Ouais, j'aimerais avoir 4 revendications comme ça, après je peux usurper le titre. Ouais, 10 ans de guerre encore je peux faire. Ah bah voilà, ça commence à se révolter un peu partout. Pise ici, d'accord. On va remobiliser la cavalerie, j'en aurai besoin plus ailleurs pour la prochaine guerre. Donc ici, j'en ai besoin ici pour la Castille, récupérer bien évidemment la petite région là qui me manque. Ah, ça te dira. La Pologne, on fera la guerre plus tard contre. Et je sais même, j'ai une meilleure idée. On finira cette guerre et on commencerait deux autres guerres dans la prochaine vidéo. Donc je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi encore pour cette vidéo. Je m'excuse, là j'ai pas beaucoup parlé comparé à d'habitude, pas vraiment des commentaires intéressants. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous continuez à apprécier mes vidéos. Et je vous dis, si la prochaine fois, je vous dis portez-vous bien et vive le jeu vidéo.